Bonjour tout le monde à la maison, je m'appelle Maxime. Moi c'est Dominique. Et nous sommes... Les Pigbois! Yeah, madame, yes! Les gars, quatrième aventure en route quand même, vous êtes des vieux habitués. On est des gars, on aime ça l'aventure. On se tanne pas? C'est une histoire d'amour entre le public puis nous autres, vraiment là. Les gens aiment en route, ils en demandent puis on se rend compte que c'est une tribune qui... C'est notre tribune qui nous fait plus parler de nous autres, c'est effrayant. Ouais. Bah disons que nous on est des grands méchants loups et aussitôt qu'on est libérés, ben c'est l'aventure à tout. Coucou Anaïs. Ce qui nous motive à faire en route, en fait, ben pour nous autres, c'est la meilleure tribune qu'on a. Généralement, ça se passe bien pour nous autres, on a du fun, on connaît l'équipe. Fait que ça, pour nous autres, c'est toujours un plaisir de les revoir. Ça fait longtemps que vous les faites, vous revenez avec quelque chose que vous connaissez bien ou c'est nouveau créé cette année pour en route? Ouais. On est toujours aussi niaiseux. En fait, on est plus niaiseux qu'avant, mais on a mûri dans tout ça. On est devenus des hommes, tu sais. On roule ça, on roule notre boss, hein, et... Bonjour notre boss, on roule! Vous voulez des cigarettes? Non, ben là, on peut pas dire ça à télé quand même, hein? Le réalisateur me regarde avec des gros yeux, ouais, comme mon ex-femme. Disons qu'on se roule l'anaïs de temps en temps. Ouais. Oui, c'est un sport. On a dit l'anaïs, hein? Alors, les gars, qu'est-ce qu'on vous souhaite sur scène pour ouvrir cette émission? Une grosse merde. Une grosse merde? Et peut-être un petit bisou? Non, je vais vous souhaiter deux grosses, mais deux grosses merdes, puis on se retrouve à votre sortie, mais deux comiques. Bon, ben, je te remercie, ma belle. Nice. Et ravissante. J'aime le look. Ah, c'est pas le vrai sourcil. Il y a des bottes de scalpin dans les pieds. Oh. Hey, la gang, on vit-tu un monde de fous pareil? Oh. Oh. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Tout le temps en train de courir à gauche. À droite comme des boules, pas de tête. Oh. Ben là, ce soir, on va prendre le temps de se reposer, OK? C'est pour ça qu'on vous invite à notre après-ski jazz. Ah, je me demande ça, mon capitaine. Quoi, mon salaud? Es-tu jazz? Ben oui, je suis jazz. Oh. Pis toi, es-tu jazz? Ben là, on peut pas être plus jazz que moi. Oh! Oh! Ça, c'est jazz. C'est très jazz, oh, oui. C'est très jazz, oui. Oui, maison. Oh, ben là, je te dis que ma crise de la quarantaine me rentre dedans. Oh ouais, oh. Comment ça? Je me suis encore fait prendre dans un sextape. Oh. Ben oui. Ben savais-tu ça, toi, qu'il y a des caméras de surveillance d'un guichet automatique? Oh! Ben oui. Là, j'ai l'air fin. À toutes les fois que je vais à la caisse, tout le monde m'appelle Monsieur Dépôt. Oh non! Oh. Oh, pas d'allure, c'est épouvantable, des choses. Ouais, moi, de mon côté, j'ai bien de la misère avec ma fille ce temps-ci. Oh ouais, comment ça? Ben, commence à porter des G-strings. Oh. Ben, veut faire comme son père, hein? C'est bien normal. Ben, hein? C'est normal, hein? Je ferais pareil. Ben, ouais, ben, ouais, moi aussi, ben, c'est ouais, ça, hein? Ben, oui, c'est ça qui arrive. Hey, mon Big Chief! Oui! Je t'ai-tu dit ça que j'ai couché avec la belle Ming Su? Oh! Fait que. Tu as fait rougir le général Tao. Ben, disons que le Mongol a pénétré sa muraille de Chine, hein? Bon. Oh! Disons que ton aigreau l'a trempé dans son sauce aux cerises. Oh! Ben, disons qu'on a posé un set de pneus d'hiver. J'ai plus d'exemple avec la Chine, oh, ben non, ben c'est ça qui arrive. Même pas un pays, oui. Ben là! J'ai découvert que j'avais un fils. Encore? Ben oui, ben oui. Alors, il a commencé à fumer du pot, là. J'aime pas bien ça. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? M'arrêter d'y en vendre. Ah, oh, ben oui. Peut-être ben non, c'est ça. Ça, c'est normal, me semble. Sinon, moi, je me suis acheté une belle Mustang 78. Ça marche-tu? Oh. Pogner cette étiquette en une semaine, ça marche à ton goût? Oh. Ben là, si je comprends bien, c'est rendu toi qui marche. Ben oui, perdu mon permis, pogner cette étiquette ben en une semaine, fou, ben oui, c'est ça. Je veux dire, t'es pas tenable, mais t'as toujours été de même. Un coq en pâte, ben oui, c'est ça, pas tenable. Hiding to death. Ben oui. Hey, parlant de permis, je t'ai-tu dit ça que je me suis permis de coucher avec Monique? Oh ouais, la grosse rousse avec les dents croches. Non. Oh. Hein? Tu viens de dire que j'avais couché avec une Monique? Non. Ouais, moi, ma relation avec ma voisine, c'est plus ce que c'était. Oh, ben non, ben comment ça? Ah, ça a acheté des rideaux.
Ça se fait pas. Ah, mais là, mon salaud. Là. Quoi, mon capitaine? On jase. Ben oui, on jase. Il y a quand même des très beaux spécimens ici ce soir. Ben oui. Comme toi, par exemple. Oh! Allô? Disons que j'aimerais bien te faire fleurir le bourgeon doré. Oh! You know? Disons que je pourrais faire perdre le nord à ta rose des vents. Oh! Tu viendras chez nous, je fabrique ma propre mayonnaise. Oh. Oh. Disons que tu pourrais me rentrer un doigt dans les fesses. Là, t'as peut-être un peu cassé, comme on pourrait appeler ça. Ben oui, c'est ça. My bad. Oh. Je commence à coucher avec la belle Céline. La belle Céline. La belle Céline Shampoo, cette affaire. C'est parce que c'est ma femme. Oups! Oui. Ben là, mon salaud, on va arrêter de tourner autour du pot, puis on va se parler dans le blanc des yeux une bonne fois pour toutes. Ça. Sur 10, combien tu y donnes? 9.5. Oh. Toi, t'es un chum. Tourne dans le sport, merci la gang. Restez jazz, OK? Faites ça pour nous autres. OK, c'est du niaiseux, ça. Tout d'abord, les gars, bravo pour le coefficient de difficulté de la botte de ski qui est là juste pour le look. Ben ouais, et puis souvent, quand on le fait dans les bars, le monde ne le voit même pas. J'aime le niaiseux. Ah, oh, moi aussi. Ah, mon premier réflexe, c'est de vous dire, les gars, vous êtes cons, mais c'est pas la première fois qu'on vous dit. Non, c'est genre... J'ai les images avec lesquelles je vais devoir me coucher, par contre. Oui. Oui. Ça a été comme vous voulez? Vous avez l'air... Le public était jazz. Oh non, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, j'ai aimé ça. J'ai pas beaucoup aimé ça. Et là, maintenant, les gars, il y a des juges. Oui. Vous allez être un peu plus sérieux avec eux autres? Ben, parce que, à bien de même, c'est difficile de... Ouais, je suis expressif quand on parle de doigts dans les fesses. OK. Ben, allez les voir, puis on se reparle après. Ben oui. Hein, quand vous allez être heureux ou pas. OK. I drink to that. Oh! Écoutez, les garçons, bravo pour votre prestation. Je suis un fan de niaiseux, personnellement, et c'était du très bon niaiseux. Ce qui est difficile dans ce type d'humour-là, c'est que... Regardez-moi pas le main. C'est qu'étant donné que c'est du niaiseux et qu'on part à zéro à chaque gag, il faut vraiment que chaque gag soit béton. Alors, il y avait des trucs qui étaient vraiment tordants, il y avait des trucs qui étaient, à mon sens, mous. Ça vaut la peine, ce genre d'univers-là, de placer ça au millipoil près et ça devient d'autant plus drôle. On était trop jazz. C'est vrai, c'était du jazz. Placer l'improvisation. C'est touchant de voir un duo. Je connais un peu la mécanique, puis c'est rare qu'on sente une complicité comme ça. On sent que vous avez vraiment une connexion. Le casting est clair. Bravo, les gars. Une belle première impression. Je ne vous connaissais pas et je veux vous voir. Mais moi, pour ma part, j'attends d'un numéro d'humour qui me fasse oublier que je suis en train de juger un numéro d'humour. Puis moi, ça a marché complètement. Oublier que tu es une femme. Tu vois, c'est sûr qu'il y avait des gags un peu moins réussis, mais j'aimais tellement les personnages, j'aimais tellement l'univers, ça sentait le tapis brun et jaune à souhait. Ça sentait le Magnum P.I. cheap. Moi, j'adore cet univers-là, puis moi, vous m'avez... C'est un agréable plaisir. Ça fait du bien d'entendre ça avec le divorce, puis quoi, c'est ça. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec toi. Est-ce qu'on fait tomber les masques, messieurs? On peut pas avec ça, nos clous. Ben oui, tu peux. Ta moustache, je l'ai vu, tu l'as pour vrai, à moins qu'on te l'arrache, là, gars. Ah, ben c'est ça. J'aime ça comme fait mal. Puis, les jeux, ça a-tu été le fun? Ça a très bien été. Oui, t'es ravi. Mélanie Ménard, je crois qu'on a un petit quelque chose qui se passe entre nous trois, là. Bon, oui. Ça reste à voir. Petit sandwich, là. Moi, même si c'est avec Martin, ça me dérange pas du tout. Moi non plus. OK, je vous laisse aller, vous m'énervez beaucoup trop. OK, vous m'énervez... Non!